Bonsoir. C'est émouvant, c'est la première fois que je suis en scène. Enfin, on va faire au mieux. Bon, j'aime bien le titre déjà, Témoin du possible. Parce que nous, finalement, c'est plutôt le défi de rendre possible ce qui est impossible. Pour la base de notre logique d'action. Alors, c'est vrai que le thème de l'engagement pourrait inviter à des réflexions philosophiques, mais il ne faut pas demander à un chirurgien de faire de la philosophie. J'ai demandé à un grand reporter, Patrice Duterte, de venir vous parler un peu de ce qu'on a appelé les French Doctors quand ils œuvraient en Afghanistan. Et bien sûr, son œil de reporter, des grands reporters de guerre, hein, lui. C'est-à-dire qu'il nous a suivis avec son œil et donc son témoignage. Et justement, j'avais vu beaucoup de gens dans les ONG avant, parce que j'avais commencé en 63 mon métier. C'est la première fois que je rencontrais des types aussi, des femmes extraordinaires tous, des gens de qualité et qui ont bouleversé ma vie dans le sens où, à un moment donné, c'est vrai que quand vous êtes un reporter de guerre, vous voyez de la merde à longueur de journée. Vous rentrez à la rédaction, on vous renvoie autre part. Tout d'un coup, vous rencontrez des êtres humains qui sont décidés à faire que ça change. Et ça, ça a été pour moi, ça m'a bouleversé. Et d'ailleurs, je me suis engagé à Médecins du Monde. Oui. Merci Mireille. Oui, alors moi je voulais te dire que j'avais eu le bonheur de rencontrer Sœur Emmanuel. Sœur Emmanuel m'a dit une chose qui tout de suite m'a mis dans l'embarras. Qu'as-tu fait pour les autres? Et là, c'est vrai que j'avais surtout travaillé pour moi. J'avais été actrice, j'avais fait des films. Je trouvais que c'était déjà difficile. Mais c'est vrai qu'elle m'a posé une question importante. Et le fait d'être devenue marraine de la chaîne de l'espoir a donné un sens à ma vie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je sais pourquoi je suis là. Moi, je voudrais d'abord insister sur quelque chose que vous avez dit. D'abord, c'est la rencontre. Moi, c'est aussi pourquoi je suis là. J'étais programmé pour une bien autre vie que celle-ci que j'ai depuis maintenant 40 ans. C'est la rencontre avec Bernard Kouchner. Bon, écoutez, merci beaucoup. Et puis voilà, continuons.